Nos pires craintes se confirment. La Fédération est parvenue à reproduire un système d'armement spatial à partir de l'épave de l'Odin. Il sera opérationnel dans combien de temps? Je l'ignore. On a transmis les données récupérées au NORAD. Le secrétaire à la Défense exige un débrief. Keegan, je t'envoie à Colorado Springs. À vos ordres. On se donne rendez-vous à l'entrepôt de Las Vegas demain, à midi pile. Le JSOC voudra agir vite sur ce coup, alors c'est pas le moment de dormir. On a 6 heures jusqu'au retour de Keegan. Attends. Rien te semble suspect. La sécurité fonctionne. Ça fait un moment. Ah, t'es réveillé. Bien. Sympa de voir toute la petite famille enfin réunie. Manque plus que celui qui fait son timide. Où est Keegan? Tu sais bien que je te dirai jamais rien. Vraiment? Attends, peut-être que je peux te convaincre. On se calme, Junior. On attend sagement son tour. Logan, regarde-moi! Regarde-moi, fils! Et ça, regarde-le. Voilà. Montre-lui à quel point il te fait souffrir. Il y a un truc marrant avec votre paternel. Il laisse crever ses hommes pour sauver sa vie. Putain, Rourke! Ça se passe entre toi et moi! T'en prends pas à mes gamins! Tu t'adresses à un supérieur, lieutenant. Un peu de discipline. T'as jamais fait partie des nôtres! T'es pas un ghost! Ouais, parce que je suis meilleur que toi. J'ai toujours été meilleur que vous! Mais toi, tu te prends pour un ghost! Tu n'es rien. Toi et tes fils, vous êtes morts. Ton nom mourra avec toi. Mais c'est qu'il a encore du jus! On t'a jamais dit qu'il faut pas pointer une arme sur les gens? C'est très dangereux! C'est ça! Vise un peu plus par là! Allez, pointe-le sur... Logan! Logan! Ouh! Tu pètes le feu, gamin. J'aime ça. Risquer sa vie pour sauver son capitaine. Tu devrais en prendre de la graine, Elias. C'est mon fils! Bien. Là, il va devoir te regarder mourir. Papa! Je t'aurai, tu m'entends? Je t'aurai, cette fils de pute! Je vais te tuer! Enfoiré! Je suis fier de toi, Logan. Je sais que tu t'en sortiras. Très bien. Non, oh, tu as raison, Elias. Je ne suis pas un ghost. Je suis celui qui les traque. Et qui les renvoie de l'autre côté.
Le chef veut le plus jeune vivant. Amérique. Une côte cassée. Mais je peux marcher. Il faut y aller! Keegan, on est en train d'avancer. Venez dès que vous pouvez. Compris. Rendez-vous dans la cuisine. On doit atteindre le côté ouest du bâtiment. C'est notre meilleure chance de sortir d'ici. Chut! Du bruit derrière la porte. Allez, on règle ça. Cette radio. On peut mettre de la distance entre eux et nous. Ils ont dû nous entendre. Ils envoient des renforts vers nous. En direction de la cuisine, pourquoi ? Combien ? Ah, bon sang ! Putain de... Allez. Oh merde! Keegan, on doit se cacher, vite! Merde! Relevez-le! Là-dedans, cachez-vous! À terre, à terre! Laissez la radio! Chut! Hey, el ruido venía de ahí. Revisen las esquinas, no dejen nada a la suerte. Rodrigo, mira ahí. Ahora mismo. Pas un bruit. Il va y en avoir d'autres.
ennemi à l'heure. J'ai plus de munitions. Fais tirer dessus. Cible à découvert. La situation est devenue chaotique. Je l'ai pas vu depuis notre réveil. C'est encore loin ? Plus trop. Restez du côté gauche, on sera bientôt sortis. Reculez, reculez ! Et merde ! À gauche, à gauche ! Par ici ! Allez, allez ! Allez à la fenêtre ! Logan! Logan! Ça va? Et vous, Merrick? Je vais bien. Mais on doit bouger, avant que ces hélicos découvrent où on est. Si on peut atteindre la piste, je te trouverai un moyen de sortir de là. Doucement. Ils seront plus nombreux que nous. La balle est ressortie. Logan, tu peux le porter ? N'oublie pas, Riley ! Tu sais, on est juste devant la terre ! Allez, bordel ! Venez nous chercher ! Merde, je vois rien ! D'autres hélicos à couvert. Situation, les gars.
À la maison si vous voulez. Ça ouais. Allez le gars, on se tire. QG ici, Prince 2-0, c'est bon, on retourne à la base. Je vous reçois. Bien joué 2-0.